السلام عليكم. في الاكسرسيس بالنسبه للاكسرسيس نيميرو 1 الاكسرسيس نيميرو 2 صحيناهم في لا فيديو نيميرو 1 ولا فيديو الثانيه. ودابا غادي في هاد لا فيديو غادي نصحو الاكسرسيس نيميرو 3. كيسك هي الاكسرسيس نيميرو 3؟ ان موبيل ام est en mouvement circulaire à une vitesse de valeur v est égale à 1,256 mètres par seconde. A-t-il la vitesse linéaire sur une trajectoire de rayon r est égale à 0,4 mètres. La première question, déterminer la vitesse déterminer la vitesse angulaire oméga du mobile m. Donc on va calculer oméga. Tenez la vitesse linéaire, tenez le rayon. Donc, je nous mets la radine de mobilier, la relation que je fais fait le cours. Et il y a, on sait, on a V est égal à R fois oméga. Alors, oméga qu'on cherche, l'ibrina nesbo est égal à V sur R. Application numérique. V c'est 1,256 et R est égal à 0,4. 10 mètres par seconde mètre, rien à changer. Donc 1,256 sur 0,4 égale 3,14. L'unité de oméga c'est radian par seconde. Pour B, la question B, déterminer la période et la fréquence de son mouvement. Donc on a oméga. On veut déterminer la période. Pour la période, on sait que oméga égale 2 pi sur t. Alors t qu'on cherche, il y a la période est égale 2 pi sur oméga. T égale à 2 pi sur 3,14 les pi sur 2 secondes. C'est l'unité de la période parce que la période c'est un temps. Temps nécessaire pour faire un tour. Pour la fréquence, la période, la fréquence. On sait que la fréquence, il y a l'axe, la période, 1 sur t. Alors, et f est égal à 1 sur 2. Il y a 0,5 Hz ou bien seconde moins 1. C'est la question numéro 1. On passe à la deuxième question. Question numéro 2. Sachant que le mobile se déplace dans le sens positif et le sens aidant, et qu'à l'instant t0, t est égal à 0, il a déjà effectué 0,25 de tour. Donc voilà le cas. Un petit M, voilà l'axe de rotation. Le sens de rotation, le sens positif. Donc à l'instant t égale à 0, il a 0,25 de tour. Qu'est-ce que 0,25 de tour? Il y a 4 هادي كولا من هنا لهنا دورة، هادي نص دورة، ربع دورة، هي هادي، ومن هنا حتى لهنا، دونك شحال الزاوية في هادي، دونك هاد الزاوية هادي هي بي سور دو، دونك هادي هي تيتا اللي دار ا تي إيكالا زيرو، دونك تيتا ا تي إيكالا زيرو هي بي سور دو. Donc, soit un dieu lave halaka, ou là, une autre méthode, il y a 0,25 de tour, autour il y a 2 pi. Donc, 2 pi fois 0,25, il y a 1 sur 4, 0,25. Et 2 pi fois 0,25, attendez, non, 1,55 radian. Il y a pi sur 2. غاين حسبتها هنايا 2 بي فوا 0.25 هي 1.55 راديان وحتى بي سور 2 بي سور 2 راهي 1.57 راديان. دونك علاش عطاني هاد التيتا؟ التيتا تي إيكالا زيرو الزاوية اللي قطعها في تي إيكالا زيرو.
Donc, à le donner, déterminer l'équation horaire de son mouvement. Donc, l'équation horaire, je fais l'équation horaire en fonction de l'abscisse angulaire. J'ai un ayant, il y a θ de t est égal à oméga t plus θ 0. Il y a un rythme de BA. Donc, l'équation horaire, et nous avons déjà oméga et θ. Sinon, coordonnée de la vitesse linéaire ou de l'abscisse curviligne S, l'équation horaire en fonction de l'abscisse curviligne. Horaire du mouvement. Du mouvement. C'est quoi? Donc, il y a θ de t est égal oméga t plus θ 0. Oméga, c'est 3,14 radians par seconde et θ t égal à 0 est 1,55. Tu m'as dit que 0,25 de tour leader à t égal à 0. Donc θ 0 c'est θ à t égal à 0. Zawiya li qta'a, qta'a 4 dawra, 4 dawra bin nhesbou zawiya dialha, il y a pi sur 2. Donc pi sur 2, il y a 1,57 radians. Donc θ de t, l'équation horaire نعود أوميغا ب 3,14 تي غتبقى كيما هي بلس تيتا 0 اللي هي 1,57. Voici l'équation horaire. Pour la deuxième question de la petite 1, pour B, calculer le nombre de tours s'effectués par le mobile entre les instants T0 et T1 est égal à 3 secondes. Donc, on sait que l'équation horaire. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que θ à t égale à 0. θ à t 0. Hier H. Là, l'équation horaire, θ de t est égale à 3,14 t plus 1,55. Donc, on a où t 0, t'as 3,14. Fois 0 plus 1,57. Donc, il y a 1,57 radians. Radiez-vous θ à T1. Au T1, vous voyez, dans nos 3 secondes. Donc, il y a 3,14 fois 3 plus 1,57. Voilà, le calcul. On dit 3,14 fois 3, pardon, 3,14 fois 3 plus 1,57 égale 10,99 radians. Donc, calculer le nombre de tours, عدد الدورات. Donc, on va se faire des زاوية المكتسحة ما بين T0 ما بين T1. Donc, il y a تكون هي θ entre T1 moins θ à T0, il y a 10,99 moins 1,57 moins 1,57, 9,42. Et donc 10,99 moins 1,57. Donc, il y a de la valeur 9,42 radians. Unité radians. Donc, il y a le tour. Tour, tu as Camila. Je vais dire le corps. Donc, il y a le point. Je vais dire Camila. Je vais dire 2π. Donc, 2π, on sait que 2π représente un tour. Donc, il y a le tour. Il y a le rejet de radian. 9,42, ça représente combien de tours? Vous voyez, il y a une espèce. Calculer le nombre de tours effectués par le mobile entre les instants. Combien de tours? On se met au alpha. On calcule alpha. Alpha, le nombre de tours entre T0
et T1. Donc alpha est égal à la catholique 1 fois 9,42 fois sur 2 pi. Donc 9,42 sur 2 pi égale 14,79 tours. Le nombre du tour il y a une T0 ou ma bin T1 d'attrapage facette sur 2 spin d'or et une boute de l'athlète de Tawani d'attrapage facette sur 2 spin d'or. Donner les caractéristiques de la vitesse de la, du deux vecteurs vitesse du mobile à la date T1 et la représenter en utilisant l'échelle suivante. 0,4 mètres par seconde représente 1 cm. Donc, Hassan, la vitesse. La vitesse, la date T1. Au T1, il y a 3 secondes. Donc, on a l'équation horaire. Alors, je vais vous